Bonjour les amis! Toujours dans la collection de jolies frimousses qui nous présente les personnages les plus inoubliables de Disney, aujourd'hui on va lire La Belle et la Bête. Suivez avec moi! Pour sauver son père des griffes d'une bête, Belle se sacrifie. Prisonnière dans le château de la repoussante créature, la jeune femme se lie d'amitié avec des personnages drôles et attachants. Au cœur d'un univers enchanté, Belle et la Bête se découvrent au-delà des apparences. Et grâce à ce lien très très fort, ils ont réussi à surmonter ensemble les obstacles pour briser tous les sorts. On va aller découvrir les personnages maintenant. On ne peut pas parler de La Belle et la Bête sans parler des personnages drôles et attachants de ce livre. Comme vous voyez, on a la princesse Belle, on a la Bête, qui est en fait un prince, on a Lumière, ou Chandelier, on a la petite Tasse, avec sa maman la Théière, on a les Roses Enchantées, et on a la Rose Éternelle dans sa cloche qui va briser le sort du prince. Suivez avec moi. Papa était parti présenter sa dernière invention lorsque je reçus la déplaisante visite de Gaston. Gaston était un chasseur qui s'était mis en tête de m'épouser sans me demander mon avis. Pendant ce temps, papa avait été fait prisonnier par une énorme bête. Lorsque je le retrouvai dans le château, il était malade. L'effrayante bête accepta de me garder à sa place. Avec le temps, je découvris que la bête pouvait être très douce et qu'elle avait bon cœur. Elle était même capable de me tenir délicatement dans ses bras lorsque nous dansions ensemble. Mais Gaston était cruel et il blessa la bête lors d'un combat. Consterné, j'avouai à la bête que je l'aimais. Mon aveu rompit le mauvais sort et la bête se transforma. La bête se transforma en un beau et jeune prince. Il avait enfin appris à aimer et trouver quelqu'un qui l'aimait en retour. Depuis, nous vivons heureux dans le château où je suis devenue la princesse Belle. Et voilà, c'est fini ce petit livre d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, likez la vidéo, partagez-la avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Le Monde des Contes avec Noël. À la prochaine !